Pourquoi je me sens si éloignée de ma flamme jumelle? Et pourquoi cela arrive-t-il? Au début, avec la reconnaissance de l'âme, et pendant la fin de la bulle d'amour. Ce qui arrive à votre énergie astrale, c'est que tout cela ira à votre homologue divin. Cette énergie circulera toujours de du divin féminin au divin masculin, jamais l'inverse. Cela crée l'illusion de ressentir l'énergie de votre divin masculin. Alors, qu'en réalité, votre propre énergie s'est envolée dans son champ, et que vous ressentez votre énergie, pas la sienne. Cette fuite d'énergie est aussi la raison pour laquelle on se sent extrêmement épuisant pendant la phase de séparation. Votre énergie n'est pas là où elle est censée être, et vous sentez que vous n'avez plus la force d'endurer cette souffrance au fur et à mesure que vous commencez à travailler sur soi pendant la phase de séparation. Votre énergie vous reviendra lentement, où vous pouvez aussi consciemment ramener votre énergie vers vous. Il n'est en fait pas sain d'avoir votre énergie astrale dans le domaine de quelqu'un d'autre, même si c'est votre flamme jumelle. Lorsque vous retrouverez votre énergie dans votre propre domaine, vous ne ressentirez plus votre flamme jumelle de la même manière. La façon dont vous la ressentez est différente. Il s'agit plutôt de savoir que vous êtes un. Vous commencez à ressentir la conscience de l'unité. Et vous vous sentez tellement mieux. Le moment où vous arrêtez de penser de manière obsessionnelle à votre jumeau, vos peurs vont surgir, parce que d'habitude, vous pensez à lui si fort. Vous aurez donc l'impression de l'avoir perdu et par conséquent, vous êtes de retour avec votre obsession. C'est la même chose avec l'énergie. Vous êtes censé avoir votre propre expérience de vie. Et votre autre moi est la même chose. Une fois que vous vivez à partir de la conscience de l'âme, cette énergie commence à ramener votre jumeau dans votre vie. Puis l'énergie change à nouveau. Quand votre énergie astrale est totalement équilibrée, vous commencez à agir comme une seule unité. Vous sentez quelque chose qui serait bien. La flamme jumelle n'est pas une relation amoureuse. C'est une connexion et tout ce que vous faites est d'être. Soyez l'âme que vous êtes.